Ok. Alors, on en était où? Tout. Après, les, vous voulez voir du code ou des slides? Du code. Ok. Du slide code. Du slide code. Ah ben, c'est... Voilà. Il en a aussi. Putain. Le slide code, il est là. C'est ça. Ok. Ouais, mais ça va faire une bonne intro. Pour la continuité. Donc là, on a vu juste une appli Spring Boot isolée. Comment on fait quand on a une appli web qui a obtenu le token et qui veut appeler un service REST? Et comment on passe ce token? Donc c'est très simple, il hein, n'y a rien de spécifique à Keycloak. La seule chose à faire, c'est de passer un header qui s'appelle autorisation. Et la valeur sera toujours bearer espace le token, l'access token de Keycloak. Ok? Alors là, c'est un exemple en utilisant du JavaScript. Là, c'est un exemple. Imaginez qu'on est dans, dans une méthode d'une servlette, par exemple. Donc là, on peut récupérer assez facilement le Keycloak Security Context. Après, on utilise n'importe quel client HTTP qu'on veut. Et on fait un GET. Et on rajoute un header. Et j'ai un troisième exemple avec du Kotlin. Ça, c'est du Kotlin dans Spring Boot. Donc, oui. Alors, pour ceux qui connaissent Spring Boot, vous savez qu'il y a ce concept de REST template. On va le voir d'ailleurs. Normalement, je vais coder ça là maintenant. Les REST templates qui sont en fait des clients, qui sont en fait un client REST. Nous, ce qu'on propose avec l'adaptateur, la librairie Keycloak, c'est un Keycloak REST Template Customizer. Donc, vous utilisez votre REST Template comme vous avez l'habitude de faire, vous faites vos appels GET comme vous voulez. Vous n'allez pas vous soucier de rajouter le header d'autorisation parce que le Customizer fera ça pour vous automatiquement. Ok ? Et c'est ce qu'on va faire plus ou moins maintenant. Alors. On revient juste à notre appli. Alors, tout à l'heure, j'étais pris un peu de court. Alors, par défaut, quand on sécurise notre appli, on utilise ça. Comme je vous ai dit, on sécurise en fait le conteneur de servlet. Dans ce cas-là, par défaut, c'est Tomcat, mais vous pouvez utiliser Undertow ou GT sans changer rien. Ça sécurisera de même manière. Mais si vous faites du Spring Boot et de la sécurité, il y a de fortes chances que vous fassiez du Spring Security. Ok? Qui c'est qui fait du Spring Security ici? Ouais, plein. Ok, donc ça vaut le coup, je vous le montre vite fait. Parce que c'est très facile. Alors, est-ce que Keycloak peut gérer aussi Spring Security? Bien sûr que oui. Ce qu'il suffit de faire ici, c'est. Donc, c'est pas spécifique à Keycloak, c'est là, on va juste rajouter le starter. Security, ok, tac, donc ça va me prendre les jars de Spring Security. Et ici, ce que j'ai besoin, c'est quand vous faites Spring Security, vous êtes obligé d'étendre une classe Security Config, je sais pas trop quoi, où vous spécifiez vos points d'accès et tout. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une classe qui hérite déjà de cela. Là, j'ai tapé super vite. Je vous montre, on hérite de cette classe qui elle-même hérite. Voilà, en général, c'est cette classe que vous devez étendre. Hein. Voilà. Cette classe. Nous, on propose déjà une classe qui fait tout le ce que vous avez besoin. Et bon, je vous épargne un peu tout le reste. C'est surtout ça qui est important, c'est le configure. Donc là, pareil. On dit que chaque requête sur products doit être authentifiée avec le rôle user. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Et ce qu'on peut faire même ici, c'est supprimer ces contraintes, vu que ce n'est plus le conteneur de servlet qui est sécurisé, mais c'est Spring Security qui a pris la main, qui lui-même va déléguer la partie authentification à Keycloak. Donc là, si je rafraîchis, enfin si je redémarre l'app, ça devrait... fonctionner
sans trop de problèmes. Alors. Et là, c'est pour ça que je monte ça à la fin généralement, parce que maintenant j'ai le second facteur app. Et qui c'est Google Hot, Paris Jug. Alors, 103. Hop. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Sauf que c'est Spring Security qui a pris le relais. Pourquoi j'ai délogué ? Bon, c'est pas grave. Mais ça signifie que je peux faire des choses comme, par exemple, ici, là, dans mon get product. Ah, il a un joli nom, Manetta, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Je peux injecter le principal, par exemple. Principal, et là, je peux faire model.attribute username. Principal. Ouais, mais ça marche quand même. Hein. C'est Spring Boot. Hein. Non, je... alors là, j'injecte mon username dans mon template. Et du coup, si je vais dans mon template et que je dis ici hello. Hello user username, il va m'afficher le username. Par défaut, il ne sait pas quel username afficher, il va prendre le sub, qui est mon ID. Donc là, il va m'afficher un UUID. Je vais le désactiver après parce que. C'est rigolo, une fois, deux fois. 55, 8, 6, 6. Voilà, hello, nananana. Mais je crois que c'est très facile de changer ça. Il suffit que j'aille dans la config, que je fasse preferred. Attends, encore preferred. Là. Oh. T'as plus besoin de cette ligne. J'avais fait un live template pour ça. Bonne récente. Plus. Hop, new window. Parce que this window, c'est moi ici. Pardon. Hop. Principal attribute. J'essaie chaque fois de me le retenir sinon. Pour que ça fasse cool en live démo. Hop, donc il suffit que je fasse ça. T'as plus besoin là, de public link. T'as plus besoin d'un public link. Ah, je l'ai enlevé. je crois pas que j'ai besoin. Je sais pas, je le fais par sécurité. Voilà, preferred username. Là, j'ai dit que je veux utiliser mon username, le field de username. Et normalement, si je log out, et pourquoi j'ai fait log out parce que... Ah, hello, c'est lui. Oh, vous n'avez pas vu. Hop, hello, c'est lui. Parfait. Alors, on va remettre ça en optionnel. Ah oui, je ne suis plus logué sur ma console. Deux secondes. Ouais. Oh, merci. Optionnel. Avant qu'on passe au microservices, il y a une chose que je voulais vraiment vous montrer, c'est un utilisateur, quand il se connecte, il a aussi, il peut avoir accès à son profil. En gros, quand on a une appli, on clique sur son profil, on peut changer son username et tout. Donc c'est très facile à rajouter ça, même si je vais piquer encore sur mon backup. Parce qu'on a un peu. Hop. Je vais vous montrer ça sur la vraie appli. Tac tac tac. Product app. Dans ici. Donc comme ça, on remet un petit BR parce que hein, le style c'est important. Alors, c'est très facile. Pour avoir accès à son compte. Il suffit d'avoir un lien vers donc, le serveur Kiklop slash ring, c'est Royaume, donc là, Paris Job, account. Okay.
Et donc, si je retourne sur mon appli, ici, que je rafraîchis, que je redémarre, j'ai l'habitude de croire plus, c'est pas besoin du tout. Ok, et que je vais sur mon compte, my account, là, je suis sur mon profil. Donc, c'est bien. Là, je vais pouvoir ajouter mon email, mon prénom et tout ça. Et. Ah, mais t'es connecté en admin sur Picloc. Non, alors là, il m'a pris. Ouais, j'aurais dû. Non, là, je suis connecté avec Sebi quand même. Il prend la session de Sebi. D'accord. Ouais. D'habitude, t'as raison, je suis avec une fenêtre incognito pour pas qu'il y ait de. Authenticator, mobile. Là, on peut le supprimer. Voilà. Là, ça m'enlève le second facteur. Vous avez vu tout à l'heure, là, je l'ai mis. C'était là, je l'ai mis en required, là je l'ai mis en optionnel, c'est-à-dire que l'utilisateur lui-même peut décider s'il veut du second facteur ou pas, mais je peux aussi l'imposer si je veux. Voilà. On va passer à le au refactoring de notre app, parce que quand même, cette partie c'est vraiment pas joli. Hein. Retourner à la liste hardcodée. On va créer un service REST qui nous renvoie une liste de produits. Ok ? Et pour créer ce service, suivant les confs où c'est, je fais ça en Node.js ou quoi. Là, on va faire ça avec Quarkus. Qui c'est qui connaît Quarkus ? Ah, ça commence à prendre un petit peu. Ouais. Donc, Quarkus, vite fait, c'est la nouvelle stack Java que tout le monde va utiliser dans le futur. Et que tout le monde, beaucoup de monde utilise déjà, qui permet de créer des applis super rapides avec un confort de développement inégalé. C'est bien, c'est ça qu'on va dire. C'est super sonique. C'est super sonique. Ah oui, j'ai pas moi. C'est super sonique. C'est vrai, c'est marqué. Bref, je suis pas là pour vous faire un talk Quarkus, mais on va créer from scratch une appli Quarkus. Alors, pour ça, je vais utiliser Visual Studio. L'initializer de Quarkus. Non, ça n'existe pas. Si, il y en a un. Si. Je ne l'ai pas utilisé. Attends. Je crois que c'est. Si. Attends, tu me lances là-dessus. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est. Start Coding. Ouais, j'ai un autre bug sur Chrome qui met 5 secondes à charger les pages. Oui, regarde. On a notre. Comme sur start.screen.io, je pourrais la faire comme ça. Pas mal. Et ça fait un zip pareil. Je vais pas prendre le risque de le faire maintenant avec ça, parce que je ne suis pas trop entraîné avec. On va le faire à l'ancienne. Pas vraiment à l'ancienne, on va le faire avec Visual Studio Code, qui vient de sortir une extension Quarkus. D'habitude, je vous montre ça avec IntelliJ, mais il y a une super extension qui vient de sortir. Pour Quarkus, et donc là il y en a un qui s'appelle Generate a New Quarkus Project. Donc on va rester sur sur org.cb, Premium Service, très bien, c'est ce que je veux. C'est une snapshot, mon package c'est là. Là je spécifie le nom de ma ressource REST. Ok, voilà. Et je vais utiliser. Alors, là on va faire assez simple. J'ai juste envie de vérifier le token quand il rentre. Je pourrais utiliser Keycloak, il y a une extension Keycloak, mais je peux aussi utiliser tout simplement une extension de MicroProfile. Qui c'est qui connaît MicroProfile ici dans le jeu ? Il y a encore du progrès à faire. Donc MicroProfile, c'est une base de spec qui complète un peu Java E en fait. Et il y a une spec, c'est GWT, qui va permettre de faire la vérification de token. Et pour ça, on a juste besoin de ce token là, et on y va, et on va faire ça dans Paris Jug, très bien, on le génère ici, et ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, ça ne m'a pas du tout ouvert une nouvelle fenêtre, alors là ça me fait le, alors je vous jure, hein, je l'ai fait au moins 5 fois depuis hier, ça m'a fait le même bug la semaine dernière au DevFest. Il ne m'ouvre pas une nouvelle fenêtre. Alors, generate. Alors, on va juste voir s'il a créé. Hein. Parce que ça me rend un peu fou.
quand même Paris. Jugger. Paris. Qu'est-ce qu'il a créé? Premium service, il a créé. Ok, il a créé, donc il a juste pas ouvert la fenêtre. Je sais pas pourquoi. Open folder. Premium service, ça veut faire ça. Il était déjà dessus. Il est peut-être ouvert. Ah, notre workspace. Ouais, j'ai peut-être mal nettoyé. Alors, Visual Studio. Premium Service. Il ouvre le dernier, en fait. Il ouvre le dernier. Il fasse Project ou un truc comme ça. Il me prend déjà complètement là. Ah non, ça va. Non, c'est ça. C'est celui qui a créé. Par défaut, il me crée ça. Ok. Donc, vous avez rien vu. Hop, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre. C'est parti. Je démarre mon projet Corpus. C'est pas grave, on va revenir sur Spring. Non, vous savez pourquoi? Parce que, bien sûr, le port 8080 est déjà pris. Alors, un des trucs cool sur Visual Studio avec Quarkus, c'est qu'il a du auto-completion. Donc là, on va tourner ça sur du 8081. Allez, hop. On recommence. Et là, ça devrait aller. Je suis désolé pour ce petit contre-temps. Je vais bien mis les extensions que je voulais. Small Ray, GWT, très bien, impeccable. Et là, par défaut, localhost 81/hello. 81/80. Qu'est-ce que j'ai fait comme... C'est ça. Il a décidé de me... Il s'est dit, allez, pour la deuxième session, je vais bien lui mettre la montre. Ah oui, pardon. Ok. Parce que j'ai mis... Oh là là. Non, mais ça m'a perturbé. Je vais juste lui dire de ne pas l'utiliser encore. Oh là là. Quarkus dot GWT, ah voilà, enable, pardon, voilà, false, voilà, allez, on recommence, voilà, ok, hop, tac, donc vous avez rien vu, hop, regardez, c'est magique. Alors, là, c'est par défaut, il me crée une appli comme ça, juste avant qu'on passe sur la partie sécu, juste pour vous montrer comme c'est cool, là, je peux juste faire hello, Paris, jug. Je fais un petit save. Et là, si je réfléchis, voilà, il met à jour. Bon, ça, c'est juste, j'ai mis à jour le string. Mais dites-vous bien que je peux. Là, je peux rajouter des méthodes, des points REST. Je peux rajouter des classes. Je peux rajouter la config. J'ai pas besoin de redémarrer l'appli, c'est pris en compte. La seule restriction, c'est quand on rajoute une dépendance. Pour l'instant, ça c'est. Et les gars de Quarkus, ils m'ont dit, c'est encore un peu chaud à gérer ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est notre service qui renvoie des produits. Donc, on va changer ça en live coding. Donc là, on va renvoyer du JSON. Là, on passe ça en products. Et là, on va renvoyer donc. Arrays as list et on renvoie allez, Windows Phone, pourquoi pas, et Android, tous les meilleurs trucs qui existent. Liste, une liste de strings, je renvoie. C'est bon, je suis bon là, tac. Donc là, si je fais products, ah oui, et oui, j'ai
vite, aller un peu trop vite. Je manipule des objets JSON, donc il me faut une petite librairie c'est Jackson, je crois que c'est ça. Ah non, JSONB. Hop, je crois que c'est ça. Et comme je rajoute une dépendance, ben, je suis obligé de redémarrer, mais ça va super vite. Always, voilà. On y va, on recommence. On recommence. Je vais repasser sur IntelliJ, je pense. Alors, debug. Hop. Il tourne déjà. Hein. Il va me. Donc il est là. J'ai mon service REST, mais mon service REST n'est pas encore sécurisé. Okay, donc il va falloir que je le sécurise. Comment je vais le sécuriser? Tout d'abord, j'ai de la config à faire. Donc là, ça je l'enlève. La première chose, hot mécanisme, ben, là il me propose par défaut d'utiliser micro profil JWT. Ça tombe bien, c'est ce que je vais faire. Après, il faut que je lui spécifie le location JWT. C'est vraiment la dernière fois que j'utilise deux secondes. Il faut que je spécifie ma pupille. Mais pourquoi il me propose pas en... Alors vous savez, quand on ne sait pas, on va sur la doc. Ça marche toujours. Hop, petit bug de 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va sur security. Tac. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai besoin de ça. Ça, je lui dis où il va chercher ma clé publique. Et ma clé publique, il faut qu'il aille la chercher sur mon serveur KeyClock. Donc KeyClock, lui, définit par défaut un point d'accès où je... Waouh! Ça, c'est intéressant. Si. Voilà. Quand je vais sur mon realm Paris Job, j'ai quelque chose qui s'appelle OpenID Endpoint Configuration. C'est le well-known configuration. Et là, ça, c'est quelque chose qui spécifie que tous les clients OpenID peuvent faire une request sur cette URL pour récupérer les infos qui les intéressent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça là. C'est l'endroit où KeyClock publie ses clés publiques. Okay? Donc, si je prends cette clé, cette valeur-là, je la colle ici, je vais vous montrer. Là, j'ai un beau JSON qui contient ma clé publique. Okay? Et c'est cette clé-là que je vais pouvoir passer à mon appli. Tac. Et la dernière chose, c'est l'issuer. L'extension JWT va vérifier que celui qui a créé le token, donc KeyClock, correspond bien à la valeur que je voulais spécifier ici. Et dans ce cas-là, c'est assez facile. L'issuer, c'est mon realm, mon royaume. Voilà. Normalement, si j'ai pas trop fait de bêtises, on va vérifier quand même avec l'exemple. Non, allez, on va faire confiance. Je vais me faire confiance. Allez, la seule chose que j'ai à faire maintenant pour sécuriser mon appli, c'est de rajouter une annotation qui est roles allowed. Et là,
je vais les spécifier. Pour accéder à cette méthode, il faudra être authentifié, mais il faudra aussi avoir le rôle que je vais spécifier maintenant. Et là, dans notre cas, c'est juste user. Voilà. Et normalement, si je retourne sur mon point d'accès ici, je vais me prendre une belle 403. Une note autorisée. Donc très bien, c'est ce que je voulais. Parce que je fais une requête sur le point d'accès et j'ai pas passé de token. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, on peut faire deux choses. Ou on peut changer l'appli Spring Boot. On va le faire de toute façon. Pour que l'appli Spring Boot maintenant appelle ce service REST, ou on peut faire une appli web qui appelle directement ce service web. On va commencer par changer cette appli là et on va remplacer ça. Donc, pour faire ça, on va utiliser un template auto-wired en majuscule. Ah, oh, il faut le comprendre quand même. Keycloak rest template. Alors, quand on ne sait pas, on va dans la doc. Keycloak. J'ai fait ma live démo que je puisse faire des copier-coller de la doc. Donc, c'est tout prévu ça. Hop. Là, on va dans. Spring Security, voilà. Là, je commence à m'attendre. Et on va sur du client to client. C'est là, c'est ça. Hop. C'est ça que j'ai besoin. Key client request factory. Voilà. Donc je vais là. Je colle ça là. Ça devrait aller. Du coup, je peux injecter mon. Voilà, c'est ça. Si, c'est ça. Rest template. Et là, je crois que j'ai un. N'importe sur liste. Non. Ça c'est bien par rapport à Eclipse, hein, il ne propose pas AWT. Template, là je l'appelle REST Template, donc je change REST Template. Et où elle tourne mon appli Quarkus, elle tourne sur localhost 80/81/ je l'ai appelé comment? Products. Hein? Product, pas premium parce que je confonds avec et je retourne et voilà. Ah, c'était pour savoir si vous étiez attentif. Et là, du coup, je peux appeler mon get product. Les deux slash au bon endroit. Non, mais c'était un double check pour moi. Je vois que tu es attentif. C'est pas... du coup, vous avez compris ce que je fais là. J'utilise mon Keycloak REST Template qui donc va faire un appel REST à mon appli Quarkus qui va passer le token. Et on va voir si ça fonctionne. Quel suspense. Donc là, on va retourner sur. Localhost 80/80. J'arrive pas à taper localhost. Localhost 80/80. Voilà. Je sais pas pourquoi il me fait des ondes de bouffe comme ça. Voilà. My products. Alors, je dois te connecter. Il a envie de s'amuser avec moi, hein, ça sent. Ok. C'est parce que je dois te connecter sur. Je sais pas. C'est la sécurité. Forbidden. Alors, qu'est-ce que. Ah!
Ah oui, 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 excusez-moi. Non, 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 c'est tout à fait normal. Il y a de la conf à faire. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Je vous explique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va même aller dans le code. On va débugger carrément ensemble. Non, mais comme ça, vous voyez, je... Donc, on va le démarrer en mode debug. Moi ça. On va s'arrêter dans la méthode quand il fait la requête. Comme ça, on peut voir notre token. Donc, je rafraîchis là et je devrais être dans mon token. Parfait. Donc là, je vais dans mon token. Là, j'ai le token qu'il va vouloir utiliser. Donc, je le copie. Et là, il y a un site très utile qui s'appelle gwt.io. permet de décoder nos tokens GWT. Donc je vais le coller là. Voilà. Et là, vous voyez mon token. Voilà. Vous voyez ces billes ici et tout. Et vous voyez que j'ai bien mon rôle user. Mais dans OpenID, il n'y a pas vraiment de spec pour dire comment les rôles sont transmis. Un peu, tout le monde fait un peu comme il veut. Nous, chez Kitlock, on a fait un peu comme on veut. Microprofil, lui, il s'attend à un claim qui s'appelle groupe, qui contient le rôle user. Donc là, il reçoit ce token, mon API Quarkus, mais il ne voit pas le claim groupe. Donc il dit, tu n'as pas le droit d'y aller, c'est pour ça que je me prends une case 103. Que faire pour ça? Alors, on a à peu près deux le coup quand même. On va retourner dans notre console qui cloque. Et on va aller dans mon client. Et on va retourner dans notre product app. Et là, on peut créer des mappers. Donc on ne va pas rentrer dans les détails. On peut dire, ce claim, il faudrait que tu le transformes en tel claim. Il y a plein de possibilités. Pour se faciliter la tâche, là ça me rend un peu fou cette... Vous voyez ici qu'il y a, qui s'appelle microprofil GWT. Il est en optionnel, nous on va se le mettre en default. Voilà. Tac. On va retourner dans un pli, on va la faire aller. On retourne ici. Il est où mon. Il est là. Pardon. Hop. On va se déloguer. On va se relouer. Et normalement maintenant. Ah oui, je suis encore dans le breakpoint, pardon. Ben, c'est très bien. Du coup, on va pouvoir vérifier si ça marche. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, stop. C'est quoi ça? Tiens, putain. Il cherche toutes les strings dans la VM. Bon, ça prend le seul de la souveraine. Ok. Doute, on va se le coller là. C'est le refresh token que tu as copié? Et j'ai coupé le refresh token. Pardon. Token submit, ici là. Copy value. Hop. Et là, vous allez voir que maintenant j'ai un groupe ici. Et c'est ce que Microprofil veut. Donc normalement. Et c'est dupliqué du coup. C'est dupliqué du coup. Okay. Ouais. On garde le truc de... Après, tu peux le ring, celui qu'on a nous là, le ring, tu peux le virer, après ça dépend. Mais tu peux avoir plusieurs services qui attendent chacun les rôles d'une manière différente. Même si je les conseille parce que ça rend un peu fou. Mais, et là, je fais un play et ça, il va me le laisser ouvert tout le temps, non? Ouais, ah non. Hop. Et là. Ouais, cool, ça marche. Donc. Là, vous avez vu, j'ai appelé mon appli Spring Boot qui a appelé le service Quarkus et le service Quarkus m'a renvoyé tout ça. Donc, j'ai fait du progrès là déjà. J'ai sécurisé mon point d'accès REST et j'ai changé mon appli Spring Boot pour qu'elle puisse appeler de manière sécurisée des services REST. Maintenant, un service REST, ça veut dire que je peux faire une web app qui consomme directement ce service REST. Alors, on ne va pas la faire en live, j'en ai une que j'ai faite il y a un petit moment. Elle est
Elle est là. C'est fait avec, c'est Yoko Framework, c'est du plain JavaScript. Juste, je peux me loguer et appeler un service. Et là, on va appeler, du coup, tac, on va appeler 81 products, ok. Et comme c'est un nouveau client, ça, mon web app, elle n'est pas encore déclarée dans KeyClock. Il va falloir que je la déclare dans KeyClock et je vais pouvoir la démarrer et consommer. 80-83, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais vérifier. Donc, je retourne sur ma console KeyClock, tranquillement. Et là, je vais dans Client, et je crée un nouveau client que j'appelle Front End. Ouais, ça devrait marcher, Front End. Et il tourne sur 80-82, c'est ça ? 83. Parfait. Ça tourne sur 80-83. Très bien. Je peux garder tous les défauts. C'est un client public, oui, parce que c'est un client web. J'ai les redirects. Très bien. Je vais la démarrer. Et cette appli, elle tourne dans Vox to Minsk. Je l'avais fait à Minsk, cette démo. Hop. Bon, là c'est du Quark. Là, j'utilise juste Quarkus parce que ça permet de créer un conteneur web autour. C'est juste, il n'y a aucun truc de Java, c'est juste pour avoir un conteneur web autour, pour que ce soit facile. Donc, adresse already in use. C'est... Ah, ben, elle était là. Elle tournait déjà. Pardon. Elle tournait déjà, très bien. Donc, on va la redémarrer. Très bien, on vérifie juste la config que j'aime bien. Paris Jug, front end. Non, front end, je l'avais appelé. Ok. On redémarre, pas sûr. On va y arriver tranquillement. Donc, on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre incognito. On va aller sur du 80-83. Voilà, très bien. Donc ça, c'est une appli un peu que j'utilise souvent en démo, qui est un peu un playground, qui montre un peu les tokens et tout. Mais elle me permet aussi d'appeler des services de manière assez facile. Donc là, je vais faire un login. Ok, donc là, il m'a logué. Attendez, j'ai une deuxième fenêtre incognito. En fait... On se fait avoir, mais les cookies sont partagés entre les fenêtres incognito. Ah ouais ? On ouvre un profil Chrome, c'est... Ouais, attends, si je joue au profil Chrome ou alors sur... sur Firefox, voilà. Login, pour vous prouver que... Hein. Oui, mais on se fait souvent avoir par ça. Hop. Mais ça m'a permis de vous montrer le single sign, enfin... si on est déjà logué sur son royaume avec une autre appli, si on ouvre un autre onglet et qu'on va à une autre appli, donc dans ce cas-là, la web app, on n'a pas besoin de se loguer à nouveau. Et le logout, ça marche dans le même sens. Si on se logout d'une appli, on sera délogué de l'autre appli en même temps. Don't save. Donc là, on voit mes tokens et tout. Voilà. Et là, je vais essayer donc d'appeler mon service Quarkus. Et ça va rater. Je le sais déjà, je l'annonce, hein, pour pas que... C'est pareil, c'est à cause du... Non, qui sait pourquoi ça va rater ? C'est à cause des rôles, c'est pareil, non ? Non, les rôles, ils sont là, regarde. Non, un truc qui n'a rien à voir avec la sécurité, que tout le monde se fait avoir, et qui rend fou. Cross-domain. Cross-domain. Hop, def first. Donc, on vérifie si c'est bien le cross-domain qui nous embête. Aspect element, debugger, console. Ah oui, console là. Voilà, cross origin. Ok, normal. J'ai rien spécifié, j'ai pas configuré Corse dans mon appli Quarkus, donc il dit t'as pas le droit. C'est pas trop grave, parce qu'on va aller là et on va lui dire. Ah ben,
Quarkus. Corse. HTTP Corse. Corse. Trou. D'habitude, je la fais pas dans le sens. Sans sens là, du moins, ça devrait passer. Corse, trou. Normalement, non. Est-ce que tu peux aller les méthodes que tu autorises sur chaque endpoint? Je suis sorti à la suite aussi. Tap tap tap, pareil, Jack. Corse, trou. Attendez, je réfléchis juste deux secondes. D'habitude, j'utilise l'extension KickLock où on a un truc qui s'appelle KickLock Corse True. Elle tourne au bout, mon appli là. T'es pas lancé. On est quand même. Si elle était en ligne de commande. Ouais, attendez. Peut-être qu'elle tournait pas l'appli. Peut-être qu'elle peut lancer une autre. Si, elle tourne dans le terminal. Dans le terminal. Ah oui. Non, mais dans le terminal, c'est le front que j'ai lancé. C'est l'appli front. Service call. Ah, elle tournait pas en fait l'appli. J'avais sous la table. Mais là, vous voyez que du coup, je peux appeler mon service. OK. Donc, j'ai mon service REST. Je peux l'appeler de mon appli Spring Boot. Je peux l'appeler d'une appli web. Il me reste combien de temps? Un quart d'heure, c'est ça? Ouais. Ok. Un quart d'heure, largement suffisant. Bon. Même si les démogods me rendent un peu fou. On va faire un troisième service REST. En fait, mon service... mon service qui me retourne les produits, je voudrais qu'il appelle un troisième service qui me retourne un produit exceptionnel. Et je fais ça pour juste vous montrer comment avec Quarkus on peut appeler, comme on a fait avec le REST template, comment on peut faire ça avec Quarkus. Donc, on va créer une nouvelle appli. Et là, il a intérêt à être cool avec moi. Premium service, non, donc c'est ça ce que je voulais. On va faire le Uber Cool Service. Voilà. Une snapshot. Premium service, ça me va. OK. Et là, je vais utiliser. Cette fois, je ne vais pas utiliser GWT. Je vais utiliser. OpenID. KickLock. Et je renvoie juste une string, donc j'ai pas besoin de du reste. Et je vais le faire là. On dirait que. Oh! On revient vers les choses normales. Ok, donc là il m'a généré une appli normale. Tac tac tac. Hello, pareil. Ah oui, et voilà. Et il va nous renvoyer un. Juste un produit, donc on va le faire direct là, on va l'appeler Uber super cool product, on s'en fout, cool product, et là il me renvoie le super product. OK, et cette fois j'utilise pas GWT, j'utilise KickLock qui fait la même chose, qui fait de la vérification de token, mais qui permet aussi de faire quelques trucs en plus. Comme par exemple, faire de l'autorisation. Donc là, je pourrais vous en parler toute la nuit de l'autorisation. Donc l'autorisation, c'est bien différent de l'authentification. Hein. Authentification, c'est qui je suis. Autorisation, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire. KickLock a toute une couche d'autorisation. Et j'ai juste envie de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, j'ai besoin de config. Et là... On va pas s'embêter. On va aller là. Je vais faire un copier-coller. Alors là, c'est pas pour Monaco. Là, je vous jure, c'est Royaume de Monaco. J'ai fait il y a un mois et demi.
J'ai fait une présentation au Royaume de Monaco, une présentation de GitHub. Donc j'étais tout content de parler de Royaume et tout, dans un Royaume. Bon, c'est fini. Paris, Jung, la ressource, il va falloir que je la crée, on l'a appelé Uber Cool Service. Hyper cool service, ça je l'enlève. Je veux du Corse. Ouais, je vais pas en avoir besoin vu que je vais faire que du service à service. Hyper cool service, je réfléchis 2 secondes. Il faut juste que je regarde la doc. Je suis désolé, j'ai mal préparé cette partie. Quarkus. Là, je reviens sur mon guide. Donc, mais ce que je vais vous montrer, l'autorisation, ce qui est génial, en fait, ce que je vais faire, c'est. Là, vous avez vu, je fais des checks sur les roles avec roles allowed. Donc, c'est vraiment dans la clé. Là, avec la partie autorisation, je vais pouvoir déléguer même cette partie. Des checks des rôles, je vais pouvoir le déléguer à KeyClock. Ça signifie que votre appli, elle a besoin du rôle user, mais à un moment donné, et vous en avez peut-être 4 ou 5 d'applis qui ont besoin du rôle user, à un moment donné, ah, il y a des sécurités qui changent, il y a aussi besoin d'un deuxième rôle pour pouvoir y accéder. Si vous déléguez votre autorisation à KeyClock, au lieu d'aller dans votre code, changer toutes vos méthodes, rajouter le rôle, vous allez pouvoir aller dans KeyClock, dire, bon, ben maintenant, sur ces applis-là, il faut aussi ce rôle-là. Donc, ça, c'est super utile si on a vraiment beaucoup d'applis qui sont déployées. Security, KeyClock. Hop, là, je vais sur le petit guide que je devais connaître parce que j'ai écrit. Mais voilà, je vais juste aller sur la config. Voilà. Tac. Donc, forceur, voilà. Là, c'est juste pour lui dire que j'utilise. Que j'utilise de la ma couche d'autorisation permissive, voilà, et je vais juste rajouter un petit paramètre en plus pour la démo, c'est cache, voilà, ma touche espace, voilà, et je veux pas de cache. Voilà, des mots qui cachent rien et tout comme ça, quand je change mes permissions, vous le verrez directement. Hop, pas de point virgule, je ne sais pas pourquoi. Hop, et très bien, ça retourne mon super product. Et là, je vais démarrer mon appli. Est-ce que j'ai changé le corps? Comment était pour instancier ta ressource? Il faut que je le fasse encore. Okay. Merci. Heureusement que t'es là. Donc port, HTTP port, là on va passer sur du 84, hein, comme ça on est sûr. Donc ce service, ce client-là, pour que je le déclare dans KeyClock. J'ai trop de trucs ouverts. Ici, voilà, dans mes clients. Je crée un nouveau client, je l'appelle Uber sur School, il tourne sur 84, c'est un client confidentiel, je n'ai pas le temps vraiment de vous expliquer ce que c'est, mais ils vont partager un secret entre le client et KeyClock vont partager un secret, c'est ce que je vais faire là, credentials, c'est ce secret là que je dois rajouter à ma config du coup. KeyClock secret, secret, voilà, mon secret il est là, et on va juste démarrer l'appli, et je devrais pas pouvoir y accéder parce que j'ai pas les, enfin si, je devrais pouvoir y accéder parce que j'ai défini aucune règle d'autorisation. On va sur 84.
4 et je l'ai appelé comment? Super cool, c'est ça? Uber cool. Non mais le point d'accès, je crois que je l'ai. Slash hello. Là je crois que je l'ai appelé. Cool product. Cool product, mais c'est la même chose. J'ai un 403 parce que j'ai pas l'autorisation d'y accéder. Ok. Ce qu'on va faire, on va créer pour ce client-là, on va retourner là, et ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va activer la couche d'autorisation. Ok. Donc là, je fais juste un save. On a 6 minutes, ça devrait le faire. Autorisation. Et là, c'est assez complexe la couche d'autorisation. La learning curve, je vous avoue, elle n'est pas super simple, on a des quickstarts. Mais en gros, on crée des ressources auxquelles on attache des permissions, et les permissions elles-mêmes ont des policies d'autorisation. Donc là, on va créer un role resource. On l'appelle le role resource. Role resource, très bien. On le save. On revient à mes ressources. Donc j'ai mon role resource. Là, je peux créer une permission pour lui. On l'appelle role permission. Et on peut créer une policy. Donc là, on a plein de policy. J'aurais bien voulu vous montrer la time policy. On peut lui dire, tu peux accéder à cette API entre 18h et 19h, par exemple. Si tu es en dehors de ça, c'est refusé. On verra si j'ai le temps. Mais là, je vais juste vous montrer. Non, pas JavaScript. Sauf si vous voulez vraiment rigoler. Non, JavaScript, en fait, on met à dispo une API assez simple d'autorisation où tu peux écrire tes règles d'autorisation en JavaScript. Si ça te plaît. Là, on appelle ça role policy. Et là, je peux chercher pour user. Et là, je dis, ben, il faut avoir le role user pour accéder à ma ressource. Permission. Ok, save. Je suis bon. Je crois que j'ai fait juste. Hop. Super cool. Non, c'est ça. Cool product. Non, le point d'accès. Cool product. Cool product, voilà. Faut juste que je spécifie, sinon ça va pas marcher. Voilà, cool product. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'y accéder directement dans mon appli web. C'est plus facile. Elle est là. Donc, on va juste changer le JavaScript un petit peu là. 84. C'est que tu n'as pas mis les corps et les Ah, oui, je vais le rajouter là du coup. Ah, oui, tu as raison. Ouais. Cool product. Cool product, voilà. Ça, c'est 1. On va relancer lui. Et tu as raison. Il s'appelle tous les autres. Super cool. Là, c'est KeyClub qui peut gérer Corse. Corse. Ah, il n'y a pas. Enable Corse. Voilà. Trop. Ça devrait être suffisant. Je fais ça. Je la relance. Debug. On retourne sur mon appli front qui est sur 83. Merci. Ouais, ok. Et là, normalement, quand je vais appeler mon service call, super product. Donc, il me retourne mon super product. Ouais, super. Mais juste pour vous montrer à quoi ça sert, du coup. Si je retourne sur mon client, non, on crée un nouveau rôle. On crée le rôle jug par exemple. Et maintenant, on retourne dans mon client Ubercool Service, dans autorisation, dans ma policy rôle. Et là, je dis, bah, il faut aussi avoir le rôle jug. Sinon, ça marche pas. Save. Voilà.
et je retourne sur mon appli ici. On va faire un petit logout login quand même. Hein. Hop, service call, et normalement, ça ne marche pas. Donc vous voyez, je peux gérer mes permissions maintenant côté KeyClock. Et pareil, j'aurais pu vous montrer comment gérer une time policy par exemple. Alors là, je vais vous laisser découvrir la doc vous-même. Vous pouvez aussi vous brancher votre KeyClock sur un business rule engine style Drules. Donc si vous avez des autorisations basées sur Drules, KeyClock peut se brancher là-dessus. Donc ça, j'ai envie de toujours vous le montrer parce que l'autorisation, c'est une partie qu'on oublie très souvent. Elle est très très puissante. Vous n'êtes pas obligé d'en faire. Hein. Si vous voulez juste faire du check de rôle, vous avez vu que KeyClock sans la partie autorisation peut déjà faire du check de rôle, du RBAC tranquille, classique. Mais si vous voulez faire de l'autorisation un peu plus fine, c'est dispo aussi. Il me reste une minute. Ouais. Ouais, pour conclure. Je ne vous ai pas montré comment propager. Je voulais vous montrer comment propager, comment faire un appel REST d'une appli Quarkus. Pour ça, on utilise le MicroProfile REST Client qui est très simple. Et en gros, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a juste cette propriété à rajouter. Et tous les appels REST Confora, le header autorisation sera automatiquement rajouté sur vos requêtes. Donc c'est un peu comme le template Spring Boot. Il y a la même chose dans Quarkus pour pouvoir enchaîner vos calls de service en service sans vous soucier à mettre vous-même le token d'autorisation. Voilà. Je crois que ça va être bon. Est-ce que j'ai un slide que je voulais montrer en conclusion? Token change, non, ça j'ai pas le temps. Ouais, j'aurais pu vous parler d'ISTIO, mais le gatekeeper. Non. Et c'est le dernier slide que tu as vu que j'ai rajouté comme tu m'as demandé. Hein. Donc voilà, j'essaie de vous faire un petit aperçu en 2 heures. Il y a beaucoup de choses, hein, et je pourrais vous faire toute une journée. Le point d'entrée, c'est kickclub.org. Sans le D, voilà. Là, vous trouverez toute la doc. On a aussi des quick starts qui peuvent beaucoup aider. Donc là, on gère plein de cas d'utilisation différents. Vous pouvez les prendre, normalement, vous les déployez, ça marche. Dernièrement, j'ai fait un katakoda. Je ne sais pas si vous connaissez katakoda. J'ai fait 3 petits katakoda de KeyClock. Donc ça, c'est pour apprendre en ligne. C'est pas mal katakoda. Là vous avez des instructions et vous avez une vraie console. Et en gros, là je dis télécharger KeyClock. Là il le fait vraiment. Unzippez-le et tout. Donc j'ai 3 scénarios qui vous permettent de faire un peu ce que j'ai fait au début. Et ensuite on a, si vous avez des questions, c'est la. Enfin, pas ce soir, mais en général sur KeyClock. Le point d'entrée, c'est la mailing list. On est en train de passer, on est en train de bouger de la vieille mailing list qu'on avait. On est en train d'ouvrir un discourse. Voilà, ça a été annoncé par mon chef de projet ce matin, j'ai vu. Donc voilà, ça va se propager. Et puis après, vous pouvez m'embêter, moi, sur Twitter. Je reçois des questions sur KeyClock toute la journée, donc vous pouvez continuer. La plupart du temps, je vous renverrai vers la mailing list, mais si c'est des petits trucs simples, je vous répondrai. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention.